qu'on va? On va à l'école. Ouais. On va à l'école. C'est noir. Noir. Les lumières sont allumées. Parce que c'est noir. Parce qu'on est en hiver. Et c'est noir. Je te jure. Oh là là. Ça se trouve, c'est derrière toi là-bas, meuf. Oh non, il arrive. Il y a deux? Hello les Frenchies! Aujourd'hui, on est parti faire les courses et donc je vais vous faire mon retour de course. Je vous montre ça en premier parce que Sephora, elle tient absolument à le faire tout de suite. Nous avons pris un laser pour mon chat. Ça va l'exciter, ça va la fatiguer. La go tout de suite. Commencer par le sac le plus léger. Je suis partie, alors j'ai fait mes courses à Auchan et à Asia Market. Alors, oh bah mon truc il s'est craqué. Alors ça, c'est des nouvelles nouilles. Comme vous voyez ici, il y a écrit new. Alors j'ai jamais goûté ça, j'ai jamais vu ça. On va voir ce que c'est, hein. Ils disent quoi? C'est habanero lime. Nouilles piquantes au poulet avec goût piment, citron et goût poulet normal. Je l'ai jamais vu, on va le tester en vidéo. Après, mon truc s'est craqué, mais c'est pas grave. J'ai pris des céréales comme ça. C'est pour le mois, hein. Là c'est les courses pour le mois. Ça m'a fait au total 300 et quelques. Et sachant que j'ai pas fini de faire les courses, ça s'est craqué, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai pris les comme ça parce qu'on les kiffe. Alors, j'ai repris de l'huile parce que j'en ai plus. Je me suis pris de l'eau cristalline aromatisée tropicale parce que j'avais soif dans la voiture, au final je l'ai même pas bu. J'ai pris de quoi? Du sirop à la menthe pour faire des perroquets verts. Du sirop à la grenadine pour faire des bébés roses. Du sirop au goût tropical. Alors, en yaourt, j'ai pris des danettes. J'ai pris des danettes. Alors, j'ai pris deux danettes choco-noisette et deux danettes biscuit. Je vais vous montrer ça, c'est dans le sac. Ça, c'est ma pâte de piment frit que j'ai pris à Asia Market. J'ai pris de la confiture Bonne Maman comme ça, c'est fruits rouges intenses pour faire avec les crêpes. J'ai pris un chou, il était pas cher. Il était à 1,99€. Un gros chou comme ça. J'ai pris des biscuits Prince, j'en ai pris deux des comme ça. L'autre, je sais pas où il est. J'ai pris de la farine comme ça pour faire des crêpes, des gâteaux et tout blabla. Mais comme il y a la Chandeleur qui va bientôt arriver, j'en ai pris deux. Je vais faire des crêpes, des gâteaux et tout blabla. Deuxième choco noisette et le deuxième vanille. Vous voyez, j'en ai pris deux de chaque. Voilà. J'ai pris du velouté frix. Pris de la tomate comme ça concentrée parce que bah, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, que bah, j'ai envie d'en utiliser, du coup j'en ai pris deux. J'ai pris du beurre comme ça parce que j'en ai plus du tout. La dernière fois que j'en ai acheté, c'était quand? C'était pas le mois dernier, c'était le mois d'avant je crois. J'en ai plus du tout. Et ça, comme il y avait une promotion, je les ai pris. C'est Actimel, il y en a 14 dedans. J'ai pris un goût multifruits et un goût fruits rouges, fruits des bois. C'était 3,99€ et il y avait 2,97€ qui étaient versés directement dans la cagnotte de la carte. Du coup, bah, ça me revenait à 1€ et quelques le paquet, vu que le reste est remboursé directement sur ma carte de fidélité. Ensuite, j'ai pris des Biredi comme ça parce que Aaron et Sephora, ils kiffent ça. Voilà le deuxième paquet de Prince tout choco.
du banania, j'en ai plus du tout pour le petit-déj du matin. Des pancakes. Le goût d'avoine et de séchoir, ils adorent ça. Et les deux, hein, ils adorent vraiment ça. Toujours en goûter, j'ai pris des Milka biscuits comme ça, là. Pour aller avec les crêpes, les tartines et tout blabla, du Nutella, parce qu'on en a plus, presque plus dans le pot. J'ai pris, toujours en goûter, j'ai pris un 4 quarts pur beurre, bonne maman. C'est le meilleur 4 quarts que j'ai goûté au monde. Alors, j'ai pris des pâtes. Sachez que c'est pour le mois complet, donc oui, j'ai pris beaucoup de pâtes, mais d'abord, j'ai pas fini. J'ai pris ça, ça, c'est Sephora qui a choisi ça. Je pensais que il allait avoir un paquet plus gros que ça, mais non, apparemment, c'est le plus gros paquet, donc je pensais qu'il y avait plus gros. Alors, j'ai pris plein de pâtes pour le mois complet. Voilà, j'ai pris deux serpentini, comme ça, j'ai pris des tortilles, et j'ai pris 3 paquets de spaghettis de 1 kg. Voilà, j'en ai 3. 3 paquets de spaghettis, et 2 serpentini comme ça, et un tortille. Quand on était parti à Asia Market, j'ai pris un paquet comme ça parce que j'en ai plus et que c'est mon préféré. J'ai pris de la litière pour mon chat comme ça là. C'est la litière pour le mois, c'est tenue longue durée. T'as, à chaque fois, t'as juste enlevé les crottes quoi. J'ai pris des brioches comme ça là, Harris. J'ai pris le maxi format. J'en ai pris 2, voilà, parce que Sephora et Aaron ils aiment ça. Et en plus de ça, j'ai pris les brioches préférées d'Aaron. C'est-à-dire que le gars, quand il rentre de l'école, il peut te manger 3 voire 4 briochettes comme ça. On les trouve au rayon discount. Parce que ceux qui sont dans le rayon normal, ils n'aiment pas le goût. Donc ça, j'en ai pris des tonnes, mon gars. J'ai pris 4 paquets. Parce que mon petit coq, en rentrant de l'école, il aime s'enfiler 3 voire 4 brioches pour le goûter et pour rattraper du repas du midi. À Auchan, j'ai pris une barquette, directement une barquette de 2 kg de crevettes, et c'était à, les 2 kg étaient à 19,98 et à Asia Market, j'ai pris ça, un Royal Soda Blue Lagoon. En fait, j'ai pris ça, Blue Lagoon, je sais pas quoi là, Lagon bleu, parce que le truc il est tout bleu. Donc bah voilà quoi, ce sera beau en vidéo. J'ai pris une plaquette d'œufs de 30. J'ai pris, il y a une abonnée qui est passée par là. D'ailleurs, je lui fais un gros coucou. Il y a une abonnée qui est passée par là et qui m'a dit d'arrêter de prendre des Whiskas pour mon chat. Parce que apparemment c'est pas bon pour le système immunitaire du chat et que ça peut causer des diabètes. Du coup j'ai changé, je l'ai écouté, d'ailleurs merci à toi pour ce conseil. J'ai pris Purina One, j'ai pris celui-là, parce que mon chat c'est déjà un adulte, et du coup c'est bon quoi. Pour un système immunitaire fort, élaboré avec du poisson de mer, sélectionné, ingrédient numéro 1. Voilà, et je lui ai pas pris de... à mon chat, je n'ai pas pris de gelée. Parce que quand elle fait caca, quand elle mange de la gelée, mon gars, tout l'appartement pue. Mais illico, ça pue comme pas possible. Donc ce que je fais, c'est que je vais lui donner que les croquettes. Comme ça, ça ne va pas puer. Ça, mes enfants adorent les nouilles. Comme pas possible. Du coup, au lieu de me fatiguer à prendre un peu, j'ai directement pris le carton avec combien dedans? Je crois qu'il y en a 40 dedans. Et c'était à 9,90€ ou un truc comme ça. Je crois qu'il y en a 40 dedans. Je sais pas où c'est écrit. Il y en a 30, là. Pour 9,90€, il y en a 30. Au poisson, c'est des yam yam, hein. C'est au poisson, à la crevette et au citron vert. J'ai pris un pack de lait. Parce qu'il faut bien manger avec les céréales, faut bien faire les crêpes, faut bien faire. J'ai pris un carton de poulet, mon gars. Oh, ça, faut toujours avoir dans le frigo, dans le congèle. J'ai pris un carton de poulet 10 kg. J'ai pris ses cuisses, milieu de cuisse et haut de cuisse.
C'était à 23,99€. Sachant que souvent, bah, quand j'ai envie de faire une vidéo ou un truc comme ça, je vais directement au magasin acheter la viande qu'il me faut. Donc, voilà quoi. Un sac, mon gars. Il y a 20 kg de riz là-dedans, ça va me tenir 3 mois. Voilà, souvent c'est ce que ça me fait. Un sac comme ça, ça me tient genre, ouais, 2 mois et demi à peu près. Bon, voilà. Sachant qu'il nous reste encore de l'ébli, il nous reste encore de la mousseline. Et que, bah, il me reste encore à aller à Grand Frais pour prendre des fruits, des légumes et surtout des oignons, le filet de 3 kg là d'oignons. Hello les Frenchies, alors je vous fais rapidement mon retour de course rapide en fait. Je suis partie à Grand Frais, je me suis racheté un filet de 5 kg d'oignons. Ouais, ça nous fait un mois en général. Le filet d'oignons comme ça, ça nous fait le mois en général. Donc bah, j'en ai racheté parce que j'en ai plus. Toujours à Grand Frais, j'ai pris des bottes d'oignons. Ça, coupé en petits morceaux et mis dans les ramen, c'est super bon. Je kiffe. Voilà. Là, j'ai été prendre ça à BM. Il y a 80 sacs poubelles dedans. Et je kiffe, c'est à 5€ et quelques, je crois. Toujours à BM. J'ai plus de crème, du coup, j'en ai racheté. Celle-là, elle sent hyper méga bon. Elle est trop bien. Franchement, j'adore. Donc, du coup, j'en ai racheté. Après, j'ai été à Lidl. J'ai repris des gâteaux à faire avec les enfants. Parce que oui, j'aime faire les gâteaux et tout ça à maison, mais il y a des fois où j'ai juste envie de rajouter des trucs et puis c'est bon quoi. J'ai pris des tonnes et des tonnes de saucisses. En veux-tu, en voilà. J'ai pris 4 paquets parce que je sais que les enfants ils aiment ça quoi. Et puis il y a des fois où j'ai pas envie de faire à manger, du coup bah, je leur fais des pâtes avec des saucisses ou de la purée avec des saucisses ou de l'ébli avec des. En fait, tout avec des saucisses. J'ai pris des boulettes comme ça. Parce que je compte faire bientôt une vidéo spaghetti et boulettes de viande avec beaucoup de sauce tomate. J'ai repris des lingettes comme ça pour Aaron quand il va aux toilettes. Voilà, c'était 99 centimes. Il lui reste encore un paquet. Et pour finir, j'ai pris du beurre à l'ail. C'est pour manger avec mes pinces de crabe royal. Oui, j'ai encore des crabes royales. J'ai encore des pinces de crabe royal dans le congélateur. Du coup, bah, je vais faire une vidéo avec ça. En trempant mon crabe royal dedans. Et puis voilà, ouais, c'est tout. Maintenant, je vais me préparer. Enfin, je vais me préparer psychologiquement. Je vais aller chercher mon lit à Ikea. Et je sais que ça va être lourd, quoi. Je suis déjà fatigué d'avance. Oh là là. Je vais avoir tout ça à monter, mon gars. Je suis fatigué d'avance. Oh là là. En plus c'est méga lourd. Oh là là. Bon, c'est rentré dans la voiture. C'était compliqué à mettre. Mais une super maman réussit toujours. Oh putain de sa mère l'hypopète. Ça y est. J'ai monté tous les cartons. Là. Oh putain, ils sont lourds, hein. Surtout le plus grand là. Oh putain de sa mère la pute. Bon. Ça y est. Je crois que j'ai fait mon sport pour la journée, non? Regarde. Oh putain. Mais j'ai réussi. Comme quoi, on n'a pas besoin d'homme dans la vie. J'ai réussi. Maintenant, je vais me reposer un peu. Je vais faire ma vidéo mukbang parce qu'il doit être midi là, je pense. Je vais me préparer un truc à manger. Et ensuite, je me repose d'abord un peu, genre une heure après. Et ensuite, je vais commencer à monter le lit. Mon lit. Oh ! Je me suis acheté un lit juste parce que j'en ai marre d'avoir les courants d'air. Hein, parce que je me rends compte que à force d'être allongé par terre et les courants d'air, ça fait que ma toux, elle part pas. Vu que je me prends les courants d'air dans la face. Donc là... Comme je vais être en hauteur, je vais être sur un lit. On va voir. Hein. On va attendre 2-3 semaines pour voir si ça passe. Parce que là, ça fait déjà un mois et demi que j'ai cette petite toux là. J'ai les glaires qui partent pas et cette toux tout le temps qui me gêne. Genre, toux, pas une vraie toux, une petite toux. Je viens de
monter mon lit chez moi. Et j'ai faim, j'ai plus de force, je suis à bout de souffle. Du coup, je me prends une briochette, un actimel goût multifruit et un actimel goût framboise. Il est déjà midi 18, mais je prends ça pour reprendre des forces avant de me préparer pour faire une vidéo, genre dans une heure. Je suis KO. Et regarde ce que je me suis acheté. Ce fond de teint là, il était à 3 euros. Ouais, 3 euros. Je l'ai trouvé à 3 euros à Stokomanie. Du coup, il faut que j'enlève le machin là. Il y avait plein de couleurs. Il y avait aussi pour les peaux plus foncées. Lâche mon pied, Moumoun. Il y avait la sécurité là. Lâche mon pied, petite couillonne. Tu veux jouer? Tiens, joue. Regarde comment il est. C'est un fond de teint qui s'applique comme ça, là. Regarde comment il est, le pinceau. Donc là, si je m'en mets un peu, ici, par exemple. Et ensuite... C'est la même couleur que ma peau. Nickel! Je kiffe. C'est la même couleur, on voit pas de différence. Du coup, bah, je l'ai acheté 3 euros. C'était à l'entrée à la base. Je suis parti pour prendre quoi? Je sais plus ce que je suis parti prendre à la base. Et je suis sorti avec plein de choses, dont ce fond de teint là. Mais je pense que vu comment il est bien, je vais y retourner. En plus, c'est un SPF 20. Je vais y retourner. Je vais en reprendre 2-3. Ça tient 25 heures. Jusqu'à 25 heures. Et ça permet à la peau de respirer en même temps. Parce que t'as vu, c'est écrit. C'est écrit quoi alors? Il doit être top. Donc, quand j'étais à Ikea, j'ai pris ça. Ça fait partie des achats qui n'étaient pas prévus. Il y a plein de choses que je vais vous montrer. Alors, j'ai des petits tapis comme ça là. T'as vu comment c'est? Regarde la texture. C'était 1 euro. C'était à 1,99€. Du coup, j'en ai pris 2 ou 3, je crois. Un que je vais mettre dans ma salle de bain, même si j'ai déjà des tapis. Un que je vais mettre dans ma cuisine, 1,99€ toujours. Et un autre que je vais mettre à l'entrée de ma porte. De la porte d'entrée, quoi, comme tapis paillasson, je crois. Je vais utiliser ça pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Parce que je le trouve trop beau. Regarde comment c'est. C'est hyper grand en plus. Je crois que ça peut faire office de paillasson. Regarde comment c'est beau. Je kiffe. Là, j'en ai 3. Ensuite, ça c'est pas prévu. Hein. Ensuite, je me suis pris une planche à découper. Comme ça, j'en ai déjà une, mais celle que j'utilisais avant pour faire mes vidéos, parce que vous savez que j'utilisais souvent une planche en bois pour faire mes vidéos. Ben, l'autre, je crois que elle s'est cassée, si je me souviens bien. Dans le lave-vaisselle, les planches en bois, ça ne se met pas dans les lave-vaisselle. Je l'ai appris à mes dépens à Vasteville, en lavant la planche parce que ben, c'était incrusté de viande, truc comme ça. Du coup, bah, je l'ai mis dans le lave-vaisselle et le truc, il s'est pété en deux, genre comme ça. Kin, si je me souviens bien. Donc celle-là, ce sera, je vais l'utiliser que pour faire mes vidéos, genre celle-là, cette planche-là. Et j'en ai une plus grande qui fait genre, qui est grande comme ça, là. Énorme, que je mets sur le plan de travail. Vous la voyez à chaque fois, normalement, quand je fais mes vidéos dans la cuisine. Donc celle-là, elle était à 12,99€, cette planche-là. Après, toujours à Ikea, toujours pas prévu. J'ai pris des petits chaussons comme ça, là. Parce que j'aime pas les chaussons qui sont fermés. J'ai mes chaussons fermés,
Mais souvent comme j'ai chaud avec, parce que mes orteils ici ils ont chaud, j'aime pas avoir le bout des pieds chaud. Du coup bah, je les enlève souvent. Donc là, ça je crois que c'était à 1,99€ ou 99 centimes, je sais plus. Et regarde, c'est beige, c'est ma couleur du moment. Le beige comme ça là, je kiffe trop. Moumoune, c'est pas ton tapis. Elle est venue vérifier, elle sent. Tu valides? Tu valides? Ok. Elle est venue se mettre sur les tapis paillassons là, genre pour valider. Ça c'était prévu. Les éponges d'IKEA comme ça, ce sont les meilleures pour faire la vaisselle. Mieux que Spontex ou Spongex ou je sais pas quoi. C'est qu'elles sont hyper molles et ce côté là il est hyper dur, genre pour le gratte marmite. C'est trop bien, elles sont trop bien. Et c'est ça, c'était à combien? 1,49€ ou un truc comme ça. Du coup quand je vais à IKEA, j'en prends toujours, toujours. Et comme je savais que j'allais à IKEA, je savais déjà d'avance que j'allais en prendre. Ça non plus, c'était pas prévu. Là, c'est thé d'oreiller, housse de couette, en mode motif comme ça, là. Voilà. Et ça, c'était à 11,99€. D'habitude, à IKEA, leur housse de couette ensemble, tout ça, c'est entre 35. Le minimum, c'est 29,99€. Il y a 35€, 45€ et 59€. Et celui-là, il est en promotion. 11,99€. Je l'ai pris. Ça va être bon pour dans la chambre de Sephora ou même dans ma chambre. Mais pour moi, pour l'instant, moi, vous savez, j'aime les couleurs beige. Du coup, pour l'instant, j'utiliserai pas ça. C'est Sephora qui va plus l'utiliser, celui-là. Et pour terminer, une poubelle. Voilà, c'était 1,99€. Et même pas, c'était non, ça c'était 3,99€. Et c'est pour mettre dans la douche. Voilà, tout simplement. Parce que je me rends compte qu'avant j'avais exactement la même. Et que je sais pas du tout où elle est passée. Je sais pas où est passée ma poubelle de douche. Du coup, bah, j'en ai racheté une. Voilà. Bon, j'ai déjà ouvert et séparer les choses pour le lit que je vais monter. Alors là-bas, ce sont les tiroirs qui vont aller dans le lit. Tout ça là, c'est les pièces de mon lit. Il y en a aussi là. Le carton par terre là-bas. Et ce qui est bien, c'est que IKEA, j'avais complètement oublié, c'est qu'il numérote. Regarde, il numérote les vis. Donc là, sachet 1, sachet 2 et sachet 3. Donc ça va être bon. Ça va être rapide. Mais là, j'ai pas le temps de le faire tout de suite parce que je dois aller chercher les enfants à l'école dans 15 minutes. Donc là, au moins, j'ai déjà bien mis les choses à disposition comme il faut. Les bonnes planches avec les bonnes planches. Voilà, ça c'est le lit. Sans compter qu'après, il me restera la tête de lit à monter. Mais la tête de lit, soit je la ferai ce soir tard ou demain dans la journée. Je vais pas tout faire en même temps parce que sinon je serai trop fatiguée déjà là. Et j'ai beaucoup bossé déjà là. Oh. Depuis ce matin là, j'ai déjà beaucoup bossé, donc c'est bon. Mon matelas, je l'ai mis. Mon matelas, je l'ai mis là. Voilà, dans la chambre d'Aaron. Et toujours dans la chambre d'Aaron, j'ai mis ma couette, mes oreillers et mon traversin. Voilà. J'ai mis la vis là-dedans. Tu veux voir comment je fais? Oui. Comment tu fais? Ça a l'air dur, hein? Non, ça va. T'as vu? Ah ouais, c'est bien rentré, hein. Bah bien sûr, tu crois quoi? Toi aussi tu seras forte comme ça. Ah, je suis une vraie travailleuse. Voilà mon apprenti là. Je suis une vraie travailleuse. Regarde ce que tu fais, fais ça bien. C'est quoi ça? Il faut bloquer là.
Aaron, t'as pas fini de casser ton jouet? Aaron aussi veut faire. Vas-y, fais les deux autres. Parce que j'ai pas envie de tuer dans la nuit. Ah oui, c'est surtout que là je dois mettre mes lattes. Hein. Oui, tu veux me mettre si c'est mal fait. Tiens, fais les autres. Voilà. Elle m'a vu faire. Maman, tu peux me laisser un peu la vis, pas complètement vissée, comme ça je peux le faire, s'il te plaît. Écoute, si tu veux. Ça, c'est mon travail. Ça me repose mon poignet. C'est pour ça, c'est sûr. Oui. Cherche Dewey. Tu vas trouver Dewey. Cafard. Dewey. C'est Megan qui est là. Megan. Pas Dewey. Megan. What the fuck? Cours, pourquoi tu restes là? Elle est tombée, c'est vrai. Bah, c'est toi bien, non? T'es content de te faire passer? T'es content ou t'es pas content? C'est bien de regarder les anciens vlogs. Qu'est-ce que ça te fait de prendre soin de toi? Il y a ce gars dans ma chambre qui, toutes les nuits, me rejoint. Alors que j'ai juste envie de dormir seul. C'est à moi ça. Ce gars-là. Vous voyez? Lui. Je suis là tranquille. Je dors tranquillement. Et il vient normal. Comme si on l'avait appelé. Toutes les nuits. Alors qu'il a son lit. Avec sa tronche là. Ouais, ça y est, j'ai fini de faire mon lit. J'ai monté la tête de lit. J'ai monté le lit. Et au lieu de m'enjailler sur mon lit, toute seule, tranquillement, j'ai ce mec-là qui me rejoint tous les soirs. Et il se met à l'aise, bien au milieu. Genre, je m'allonge là. Et lui vient se mettre au milieu. Normal. Alors, ce deuxième-là, il a coûté 3 ou 4 euros sur AliExpress. Coucou Sephora. Coucou. On est en train de regarder les anciennes vidéos vlog. Coucou Aaron. Non, comment tu fais câlin ta soeur? Oh, trop mignon. Coucou. Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai fait encore des courses. Parce qu'on va faire une vidéo tout à l'heure. Alors la vidéo qu'on va faire tout à l'heure, c'est poulet rôti. Du coup j'ai été à Carrefour en acheter. Ça vient de se craquer parce que je l'ai soulevé du sac. J'ai été acheter du poulet rôti là. C'est du poulet rôti déjà assaisonné. Donc ça va être bon pour la vidéo de tout à l'heure. J'ai pris des tomates cerises à 99 centimes. Dans le rayon 99 centimes en fait. C'était juste à côté de où j'étais. J'ai pris aussi des oignons rouges. Et j'ai déjà un gros filet d'oignons de 3 kg ou combien je vous ai montré que j'avais pris à grand frais, mais en passant dans le rayon des 99 centimes, j'ai vu ça, donc j'ai pris les oignons rouges à 99 centimes. En même temps, toujours dans le rayon 99 centimes, j'ai pris des petites oranges comme ça parce qu'en passant dans le rayon, j'ai vu, donc j'ai pris. Voilà, alors comme on va faire rôtisserie chicken. J'ai pris de la salade, comme ça on va faire des wraps, enrober notre poulet rôti là-dedans, comme on fait d'habitude. Parce que ce sera bientôt la chandeleur. Nutella, j'ai pas besoin d'en prendre parce que j'ai repris un pot il y a pas longtemps. Donc là, j'ai pris du lait concentré sucré et de la pâte à tartiner, genre caramel beurre salé.
Voilà, pour mettre avec les crêpes. Pour le poulet rôti, toujours, j'ai pris ça. C'était, j'en ai pas pris beaucoup, c'était 36 centimes. J'en ai pas pris beaucoup, c'est des gros piments verts. Ça, c'est pas le rayon 99 centimes, mais c'était pas cher, je crois que c'était 1,99€ ou 99 centimes aussi. J'ai pris deux aubergines. Je vais faire un ragoût dans pas longtemps, il fait froid. J'ai déjà des carottes, donc là. J'ai pris des poivrons pour faire sauter avec du poulet, genre un de ces jours-là. La dernière fois, quand j'étais à Lidl, j'avais laissé dans mon coffre parce que c'était trop lourd. J'avais pris 3 comme ça à la pomme et 3 à l'orange. Mais comme c'était trop lourd hier ou avant-hier quand je les ai fait monter, j'ai laissé les 3 derniers. J'ai fait monter 2 à l'orange, 1 à la pomme. Et là aujourd'hui, j'ai rajouté les 2 à la pomme et 1 à l'orange. Donc voilà. J'ai pris ça, je prends les jus de Lidl parce que mes enfants, ils aiment ça. Quand je prends les autres, ils aiment pas les petites briquettes là. À part les capricènes, mais sinon, il n'y a que ça qu'ils aiment. Alors, ça, c'est ce que j'ai pris pour Sephora. Allez, recommencer. Je sais même pas c'est quoi. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Mets-le en commentaire. C'est fourré au chocolat. Tiens, Sephora. Et pour Aaron et moi. Mais je pense que je vais partager aussi avec Sephora pour qu'elle puisse goûter. Alors, on était à Carrefour toujours. Et Aaron, on est passé devant les donuts. Aaron, il m'a demandé ça. Aaron, tiens. Merci. T'as bien. Et moi, j'ai trouvé celui-là super intéressant. Du coup, je l'ai pris. On va goûter, hein. Je sais pas du tout à quoi ça peut, comment ça peut être bon. Et ça, c'est goût cookie. Ils sont beaux. Je crois que je ferai dans les jours à venir une vidéo mukbang donuts parce qu'il y avait plein de choix différents et j'ai envie de les tester. Donc voilà. T'as vu comment c'est beau?